Je voulais dire quelque chose, je voulais dire merci en passant. Parce que je me suis fait connaître à travers la communauté ethnique, surtout la communauté marocaine, maghrébine, à Montréal, grâce à toi. Je t'explique. Là, tu vas creuser dans tes méninges. Je t'explique. T'en veux-tu d'autres? J'espère que non. En 88, je rentre dans un bar, tu vois. Non, t'as été faire un tapis rouge, je crois à Cannes, mm-hmm. pour les Césars, je sais pas où. Tu as rencontré Gad Elmaleh. Ouais. Et tu lui as dit en 2006, ouais. tu t'en viens à Montréal, si tu rencontres pas Rachid Badouri ou tu lui laisses pas faire ta première partie, tu aurais connu des humoristes marocains. On en a un qui t'adore, qui t'aime, qui est de la prochaine génération. Là, ça l'a titillé. Puis par hasard, mon gérant a eu la brillante idée d'appeler son père, très gentil, M. David Elmaleh. Il l'appelle et lui propose de le faire la première partie au Saint-Denis. Et ils ont accepté parce que quand il a demandé à son fils, il a dit « Oui, Herbie m'a parlé de lui. Ouais, prends-le. » C'est vrai? Ouais. Et en 2006, devant une salle comble, c'est quand Gad arrive, c'est, ouais. on peut même les pompiers arrivent, on ferme la place parce qu'il y a trop de monde. Puis je me suis fait connaître devant cette communauté-là, ma propre communauté. De savoir que j'ai un peu contribué à ton succès. Oui. Mais mon Dieu. Incroyable. Pas un peu. Let's drink to that. Let's drink to that. Moi, j'ai peut-être plus gros succès. Mais c'est pas baveux.